Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose ce maquillage-là qui est d'inspiration du Joker de Batman. J'ai commencé par tracer des traits au niveau de ma bouche, donc pour faire un large sourire. Donc, s'ils sont pas symétriques, c'est pas grave du tout. Ensuite, j'utilise du latex liquide et je vais recouvrir le trait. Je vais laisser dépasser à peu près de 2-3 cm au-dessus et en dessous du trait. Ensuite, je vais dédoubler un mouchoir que je vais positionner sur le latex et je vais enlever tout le surplus. Ensuite, recommencer à mettre une couche de latex, une couche de mouchoir et encore une couche de latex. Et bien sûr, je fais la même chose de l'autre côté. Et là, le but du jeu, il est hyper simple. Vous allez devoir faire sécher le latex. Donc là, toutes les techniques sont bonnes à prendre. Sèche-cheveux, éventail, tout ce que vous voulez. Le but, c'est qu'il sèche pour que vous puissiez continuer le maquillage. Sinon, bah, vous risquez d'abîmer vos pinceaux et bah, c'est poubelle une fois que les pinceaux sont touchés le latex. Je vais ensuite rajouter quelques petites gouttes de fond de teint pour que bah, ça ait la couleur de ma peau, pour que ça fasse un petit peu plus naturel. Ensuite, je vais me servir d'un bout de pinceau pour ouvrir la plaie. Donc, j'y vais vraiment tout doucement, un petit peu, j'écarte le latex et ensuite, je coupe avec un ciseau. Alors, faites attention avec le ciseau, s'il vous plaît, ne vous coupez pas. Le but, c'est d'avoir une fausse plaie, pas une vraie plaie. Ensuite, je vais me servir d'un fard noir gras que je vais mettre à l'intérieur de mes plaies. Comme ça, ça va donner plus de profondeur. Je vais aussi en mettre à l'intérieur de mes lèvres. Ensuite, je vais utiliser du fard gras rouge et bleu que je vais utiliser pour mettre à l'intérieur et dessus la plaie pour avoir cet effet « je viens de me couper ». Et pour donner encore plus de réalisme, je vais rajouter du fard bordeaux.
Ensuite, je vais utiliser du faux sang liquide que je vais mettre à l'intérieur de la plaie. Donc, je vais en mettre une grosse quantité quand même. Et je vais appuyer avec un pinceau pour que les coulures sortent de la plaie de façon naturelle. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !